Win. What are we waiting for? Take this. Elle lui a dit, gagne. Tout ce que je veux, c'est que tu gagnes ce soir au prono, les amis. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà. Ça donne du courage, hein. Allez. Passons aux choses sérieuses, les amis. Avec deux rencontres que je vais vous proposer ce soir. Voilà. L'équipe de France, bien sûr, face à l'Autriche. Et Danemark-Croatie. Voilà. Donc hier, bon, malheureusement, moi, ça fait un 1 sur 3. J'ai vu que Yanis avait tout emporté. Hein, c'était sur le tennis. Marco, super bon résultat. Donc, chapeau les gars. Et donc, voilà, ce soir, espérons que ça fasse un 2 sur 2. Donc, voilà, Autriche, France. Et bien sûr, le petit pouce. Hein, quand vous visionnez cette vidéo, si vous avez envie, bien sûr, de mettre un pouce. Donc, pour moi, sérieusement, les amis, c'est... total, j'ai mis total de buts pour l'équipe de France, plus de 1,5 buts, à 1,72. Moi, je trouve que c'est super bien payé. Voilà. Et ça m'étonne même que la cote soit aussi haute. Je pense qu'ils sont carrément capables de marquer deux buts. Voilà. C'est pas infaisable, quand même, pour l'équipe de France. Donc, pour moi, voilà, 1,72. Espérons que ça passe. Ensuite, pour la seconde rencontre, Danemark-Croatie. Eh bien, je pense sincèrement que les Croates sont capables d'aller marquer leur petit but face au Danemark, même si les Danois sont très très durs à bousculer. Hein. C'est des hommes, pour moi, c'est des hommes forts. Hein. Ils sont très très durs. Hein. Franchement, sur l'homme déjà. Donc, très très bien en place sur le terrain. Mais je pense que franchement, avec la technique des Croates, je pense que leur petit but, ils vont le mettre, donc avec une cote là de 1,55, les amis, 1,55. Voilà, c'est les deux pronos que je vous propose ce soir, pour ce soir, et bien sûr, mettez les vôtres, hein, mettez vos pronos, que tout le monde puisse les voir, c'est important, voilà. Allez, je vous dis tout de suite dans les commentaires, les amis, hein, comme d'hab, hein, comme d'hab. Ciao, ciao.